Oh, et encore une intro de façon artisanale. Bonjour à tous, on se retrouve dans le royaume de Tech Hamster. 22e épisode, les amis. Et oui, désolé, je fais mon live le matin avec Twitch. Coucou Twitch. Coucou à tout le monde. Et on reprend. On a fait un premier épisode, j'en fais le pitch précédemment. On a survécu à une grosse baston. On a fini le quartier que j'avais entamé dans la capitale. Du coup, on est confort. On approche les 3000 habitants, hein, tout doucement. Et on a fait des accès, on a percé les murs aussi, on a survécu une très belle bataille, 80 drakkars, je vous raconte pas. Et lui il disait qu'il n'avait pas de voisin, mais on a percé le mur, et non il est pas heureux. Il est pas heureux et je ne peux pas mettre de voisin, je regarde mon cher, mais ça me semble impossible. L'autre info, eh bien on a fait un peu plus de vergers, parce que ça manque, et on est toujours à zéro. J'ai l'impression que les fruits partent à une vitesse... Irrigué 4, maître ouvrier 4. On en récolte 26 par an. Ah, c'est pas énorme. Voilà, là on est bien irrigué. On va refaire des fruits hein, partout. On va essayer ce qui manque le plus. Ici aussi. Là, on pourrait faire plein de vergers. On va pas se priver. On commence par ça, et après on va aller voir la mine de fer qu'on a annexée. Puisque c'est un bonheur complet. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop, on relie le cimetière qui n'est pas plein. Non, non, ça va. Il tient le coup. Hop, et on repart par là. Bon, très bien ça. Quelques vergers, et nous, on retourne se promener dans le royaume de Tech Hamster, où tout va bien. Une nouvelle ligne, en fait, ça désengorge la cité de fer et la cité de pierre, puisqu'on passe par ici pour avoir une petite annexion. Alors, on a commencé à faire deux mines. Hop, hop. Ça, c'est bien. On continue, on va avoir plein de fer comme ça. Évidemment des voies royales. On est top. Et comment on va barrer tout ça pour protéger, parce que les vikings vont arriver, ça va être horrible dans 2 ans. On se met en vitesse normale. Alors, on va juste couper un peu du bois là. Et je pense que, bah... On va commencer par poser des portes. On va poser là. Et si on a des chômeurs, on a des chômeurs, on a de l'armement. On est reparti pour faire 2 épéistes. Et encore... 4 archers. En trésorerie, on est bien. Avec tous les manoirs qu'on a fait, on est top. En santé, on est un peu moins bien. Qu'est-ce qui se passe en santé? Pourquoi? Pas assez de poissons, pas assez de porc. On va retravailler ça dans cet épisode. Parce qu'on a travaillé les fruits. Et pourquoi j'ai fait une boucle comme ça? C'est l'orage, c'est pas grave, c'est la foudre qui s'abat. Si, on a récupéré de l'espace. Ok, on va faire comme ça. La mine de fer est là. Tout de suite, on va mettre une tour d'archer, on réfléchit pas. Il nous faudrait même une tour de baliste ici. Pour les dragons, les ogres, et même un feu grégeois. Ça, ça pourrait être sadique, et ça pourrait être bien pour défendre la porte. Voilà.
il y a peut-être moyen, du coup, comme ce sera purement industriel, de faire du charbon sur place. Ah oui, il a réussi à mettre quand même. Eh ben, on va mettre 50 charbon. On va faire ça. Voilà, on va faire des escaliers. On y va à l'arrache. Hein. On défend, on défend. Il nous reste un an. Oh, ça va arriver. On va avoir mal. On va avoir mal. Il reste encore des chômeurs. Allez. Tac, tac, tac. Tac. Voilà, on a fermé l'enceinte. Tant pis, ça va piquer. Je vous raconte pas. On va laisser déjà construire comme ça. Dites-moi tout, mon cher messire. On a déjà un archer dispo. Sire Raginald. Très bien. On l'envoie, on réfléchit pas. Des épices de dispo. Alors, ils arrivent. Tiens la position. On croise les doigts. Voilà, on a quelques troubles. Elles serviront à rien, on va se faire défoncer. Mais apparemment, 33 drakkar, ça arrive à l'autre bout de la map. Avec un peu de chance. Oh non, mais c'est la grande invasion! Non mais regardez-moi ça! Ils sont tous là! Et ça pop encore ou pas? Ils ont décidé de venir à 33 drakkar d'un côté, on est safe pour la mine de fer. 36 drakkar, ça continue, ça continue. Ils sont 36. On va mourir ou pas? Avec évidemment leur catapulte et un nuage qui me cache ma vignette. Pourquoi? Oh là 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 là. Et le soleil, magnifique le soleil. Tiens, c'est marrant ça. Elles sont là, elles, tranquilles. C'est bien ça, on confirme. Ils vont taper. Oh! Ma toute petite cité pose. Redéploiement des troupes en urgence. On n'a qu'un archer. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Ok. Ah, l'IA s'est dit que là, il est faible, il n'arrivera pas à retenir. Ah ouais, on est carrément faible, là. Oh, là, on va se faire défoncer. Ah. J'avais complètement oublié la cité dortoir. Ok. Tout va bien, mais tout va bien. Relativisons. On peut envoyer un archer de plus ? Il va mourir, hein, on est d'accord. Hein. Allez. Là, c'est ok. Ici, il faut une entrée. Ah, puis on va pouvoir faire un maçon et tout, là. On va travailler ça. Allez, hop. On relâche. On a un épéiste. Est-ce qu'on a encore des troupes fraîches? Il se trouve que oui. Voilà, on prend les raccourcis de la map. Et on va on va se faire sucrer, hein. Faut pas rêver. On a plus de chômeurs. Ils arrivent, on est mal. On est super mal. Nom d'un bobby, nom d'un bobby. En plus, une carrière de pierre juste à côté. Si je monte à 3, est-ce que ça va les freiner un peu? On
On entend, ils arrivent là, on est vraiment cuit. Ok, il est l'heure de mourir. Trois ogres. L'archer fait le taf. Bon, l'autre troll géant. Ah, il y en a un qui est mort là. Lui se prend l'arbalète. Il va peut-être mourir. Ce qui nous sauve, c'est que on a des murs en pierre. Et que les deux autres ogres ne vont pas dans la cité. Il est mort. On va tenir. Ah, ils sont en position, les archers, pour massacrer un petit peu. C'est bon. Sire, un navire marchand est arrivé. Oui. Allons-y. Vite fait. Punaise. Est-ce qu'on vend des choses, nous? J'ai pas envie. Est-ce qu'on achète des choses? Oui, on voudrait de la viande et du poisson. Hein. Côté outils, on est revenu. On va être sympa. On finalise. Merci. Poissonnier, boucher. Et les carrières. Puisqu'on débloque le fer dans cet épisode, on va tenir... du coup, on a un bol monstrueux. Bon, ils attaquent juste les fermes. Ah là là, ça aurait pu être bien pire que ça. Ils vont kidnapper quelques bobies et puis les rigolos là avec la catapulte. C'est même pas une catapulte, non, c'est des troupes. À feu et à sang. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour les ordres? On a un feu grégeois. Ça marche. On a un archer. Là, ça tient. On avait renforcé les murs. Ah, par contre, la zone là. Pouf. Voilà, ils viennent, ils saccagent, mais c'est pas grave. Hein. Le cimetière va se remplir. Attends, lui, il fuit, là? C'est quoi, ça? Attends, c'est quoi, ça? C'est un chef... Alors, pour moi, c'est des nouveaux pillards, ceux-là. J'avais déjà remarqué tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ces bons hommes? Ils sont vachement serrés avec leur seigneur de guerre. Ah, ils m'ont tout rasé là, attends. On va réparer ça. Des fois le jeu bug. Voilà. On dézoome. On répare. Et on a même un champ à faire ici. Puisqu'on a irrigué. Ah, il y a des structures déjà en place. Eh bien, écoute. Voilà, on fait ça. On lâche la pause. Et ils sont rendus ici. Très bien. Et le feu grégeois, il fait le taf. Ils sont bloqués. Ouais, ceux-là, ils sont pas pareils, hein. J'ai pas l'impression. Il est mort? Pas encore. Ça y est! Eh ben, dites donc, quelle frayeur! On a eu 34 paysans contaminés. Mais le royaume a tenu! On pourrait aussi faire la technique là de je protège. C'est vrai qu'on pourrait fermer ici, hein, leur bloquer l'accès. Et ça c'est quoi? C'est un forestier. Alors bah, les forestiers, on va leur dire de bouger un peu. Hein.
On va les délocaliser. Forestier. On va en mettre un ici. Un là. Juste un petit puits entre deux. Donc on en vire deux ici. Salut. Salut. Voilà. Et on va juste protéger nos bobies. Du coup, on pourrait presque détruire ça. On n'a plus besoin du puits. Et on va fermer ici. Ça, on va essayer de les bloquer un petit peu, qu'ils viennent pas trop dans nos fermes. On va commencer à poser quelques remparts. Et on va retourner voir la mine de fer. Et on va rehausser aussi l'autre. Voilà, on va laisser faire comme ça. Là où j'ai eu la trouille, on a des renforts. On n'a plus aucun chômeur. 5 paysans sont morts de la peste. Décidément. On a les bains. Et il doit y avoir un hôpital dans le coin. Attends. C'est quoi ça? Bibliothèque. La clinique est là. Et les dragons attaquent déjà. Qu'est-ce qu'on leur a fait? On va pouvoir faire encore des maisons. Même. Est-ce qu'il y a un marché? Ici, il y a une place. 300 pièces pour l'ambiance. Alors, on a ici, il n'est pas raccordé, d'accord, ça marche pas. Le réservoir ici n'a pas marché. Bah tant pis. On va faire une noria ici. Ça m'embête. Bon, sachant que lui est connecté, on peut peut-être détruire finalement. Je voulais pas détruire le chemin. On va faire une pause, on va voir les dragons après. Les aqueducs. Force hydraulique insuffisante, je sais. On va faire un par un parce que sinon je vais faire des bêtises. On n'a pas le choix. Voilà. Écoute, on a un cimetière là. On a une noria ici. Parce qu'on avait fait, on a pu connecter l'attaque et on a pu replonger ici du réservoir, ça marcherait. Je me demande. On va faire un test. Non, pas une noria. On veut un réservoir ici. Ça ferait combien? C'est plus que 15, hein. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, on aurait juste assez. Il semblerait qu'on peut peut-être amener un autre réservoir ici dans la cité. On va le faire. Si ça marche, j'ai presque envie de faire des vergers dans la cité, moi. On relâche. Non, on va plutôt faire des manoirs, évidemment. On n'est pas fou. Voilà. Et ici, on va peut-être faire des pompiers professionnels. Est-ce qu'on est riche? Et on va se faire une petite fontaine, pas dégueu, histoire de monter encore le bonheur. C'est parti. Les dragons font des bêtises. On est où ici?
On a des gens qui sont morts par les dragons 10, mais la bonne nouvelle, 43 paysans sont morts de vieillesse, hein, dont Rosselin Sapia. Et ça, c'est cool. Super cool. Ok, ça tient la route. On est enfin en paix. Est-ce que j'ai des dégâts? Une tour de baliste a été détruite. Ok. Ça, c'est vu. Les maçons du taf. On a vu aussi. Oh, le cimetière se remplit quand même. Et on retourne au principal. Notre cité de fer. Voilà, on a deux archers. On va monter ça à 3 rangs, hein, tout de suite. Pour la prochaine invasion, on sera prêt. Le feu grégeois est prêt. On monte ça le plus haut possible. Là, c'est vraiment matière première, c'est tout. On s'en moque du reste. C'est un relais pour nos forgerons. Hop. Et 3. La hauteur de 3, ça a l'air suffisant au niveau Vintar pour calmer un peu tout le monde. Si vraiment il y a beaucoup d'ordres qui viennent, mais les ogres, j'ai l'impression qu'ils sont que 3 à chaque fois. Voilà, on protège ça. Ici, je peux toujours mettre une baliste. On va remettre une baliste là. Voilà, on va bourriner vraiment les défenses. C'est pas mal. On va mettre 0. Ok. Côté protection, on est bien. On va se remettre un entrepôt. Une petite réserve. Et puis on va se mettre des charbonniers parce que bah, on va en avoir besoin. Micro-gestion. Voilà. Charbonnier ici, on en a un. Ça va alimenter le feu grégeois. Et je trouve que c'est pas mal. Et on pourrait même faire quelques forestiers. Est-ce que c'est utile ici? Non. Bah, comme c'est pas très loin de la cité, les bobies viennent, voilà quoi. Ça n'arrête pas. C'est intercité. Le plan devrait marcher, hein. On est bien en fruits, on est remonté, regardez ça, 482. On a reboosté les vergers, donc c'est vraiment le poisson et le cochon. Et pour ça, ils viennent taper ici. Ah bah tiens, ça a été détruit là. Alors attends, on va faire une grande sélection. Voilà. On va faire le tour. Au cas où. Il y aurait des choses que je n'ai pas vues. Oui, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Hein. La cité dortoir. Tout est bien. Ici aussi. Et la capitale. Est-ce qu'il y a de la casse? Voilà. Eh bien, écoutez, on va pouvoir bloquer ici. En plus, pour pas qu'ils viennent trop dans la zone agricole. On va débloquer ça. Une petite tour. On va monter niveau 3 comme à nos habitudes. Même plus, on est fou. Et on va se mettre encore une tour ici.
de balistes et on va se mettre un feu grégeois comme on est riche. Encore ici. Parfait. Je suis sûr qu'on peut monter encore l'archer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de cette zone? Je ne sais pas encore. Quoique, on manque toujours de fruits. Est-ce qu'on a du poisson par là? On a du poisson ici. Eh ben, on fait une cabane de pêche. Hein. Moi, j'ai envie de dire ok. Et comme on n'est pas pressé... Petit pont de bois, petit chemin... Voilà, on est cool et on connecte à la capitale sans se prendre la tête. Je vois pas d'autre endroit poissonneux ici. Hein. C'est vraiment le truc ici, ok. Ça marche. Donc dans la mer Cordienne, on revient. Un marchand est arrivé, oui, mais on va pouvoir faire aussi un autre pêcheur. J'ai envie de dire ok. Est-ce qu'on peut connecter là ou pas? Ouais. Pont-levis. À force de faire ça, ça va être quelque chose d'incroyable, hein, cette carte. Je vous le dis. Hein. Alors, on pourrait faire comme ça, sans couper tous les arbres, garder un peu de beauté dans le jeu. Je ne suis pas contre. On n'a plus tellement de bobies. Ça commence à pâtir. On va devoir couper un arbre quand même, mince. Et repartir de là. Hop. Voilà. Alors, pourquoi? Eh ben, on va faire de la fête un peu. On a de l'argent. Je vous propose de faire la fête dans chaque cité de bonheur, de résistance. Allez, dans tout le royaume! C'est la fête! Ici, la place des fêtes. Il faut trouver des gens. Il nous en manque encore quelques-uns. Dans la capitale, je crois que nous avons deux places des fêtes. On va les chercher. On va arriver aux 3000. Hein. On va gagner à Ophée. Enfin, à Ophée, je les ai tous débloqués, mais... Ça, c'est bien. Il n'y a pas une place de fête ici? Ah non. Il y en a une ici. Et j'ai oublié la cité dortoir. On investit lourdement. Je suis même pas sûr qu'on ait fait assez agricole. Si. Voilà. 2866 habitants. Ça se gère super bien. Il va nous falloir encore plus de villes, plus de places. Bon là ça se passe très bien. Pour le pattern. On va changer un peu la position. Alors, on va faire une noria ici. Avec un petit réservoir gentil. Le réservoir Rictou, si je le mets là, non. On va mettre le réservoir ici, du coup on va détruire là. On va pas faire trop d'aqueduc. Hein. On va faire au plus efficace. Et on va irriguer la zone. Alors, est-ce qu'on se fait des quartiers? Moi, je trouve ça charmant. La vie est là. Les bobies arrivent. Ça construit joyeusement.
Ils vont ramasser le bois. Ok. On pourrait faire un grand entrepôt de bois. Les forestiers sont là. Ouais, on pourrait embêter les vikings. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire hein? On va protéger la zone. On va faire plusieurs forestiers. Histoire de rigoler un petit peu. Donc lui est là, il va jusque là, ok. Moi ça me va, et on va du coup faire une voie royale avec le pêcheur. Voilà, jusqu'ici. On va être sympa, on va mettre des puisatiers dans le coin aussi. Ah pourquoi si hein? Eh bien, parce qu'on va faire un gros entrepôt. On va tourner, hop. J'aurais peut-être dû d'abord mettre une route, ouais c'est pas top ce que j'ai fait, bon. Alors on détruit ça. Et pourquoi là ça pousse? Il vient d'où lui, explique-moi. Ah bah voilà, au revoir. On va virer le forestier que j'ai oublié. Voilà. On va venir là-dessus, en fait, ce quartier-là. On va se détendre. Et comme on est en mer intérieure, que les drakkars ne viennent pas par ici, on devrait pas être embêté par les bandits. Je pense pas. On va faire une réserve ici de charbon. Du coup, ce serait pas inutile, idiot. Oh, j'ai presque envie ici, ouais. On va faire une ouverture. Hop. Écoute, on a des bobies inactives, c'est bon. Ok, je pourrais presque faire une quatrième rangée si vraiment j'ai peur ici, mais ça va le faire. Est-ce qu'on a un feu grégeois dans le coin? On en a un, en plus. Et il couvre les deux portes d'entrée, donc j'en ferai pas un autre. Et petite pause, la réserve. On a 990. On va dire 700 de bois. Et on va dire le charbon, 300. Voilà. Hop, ça c'est vendu, on lâche la pause. Et on va pouvoir faire un quartier de verger, je pense aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un boucher. Comment ça se passe au niveau des cochons? Ça marche bien, on produit 20 par an. Le boucher... Stock de nourriture 8 sur 100. Et ben on va faire le boucher et on va faire un autre boulanger. Puisque on a beaucoup, beaucoup de gens dans le coin. Et que les greniers débordent. On va faire un deuxième boulanger. Ça, c'est bon. Alors, les porchers. On pourrait les placer ici. On va en faire 4 comme ça. Un petit verger là. Comme ça, le boucher va être entouré, il va bosser comme un fou.
Est-ce qu'on se ferait aussi... On a des sous toujours. On est encore bien. On pourrait se mettre des pompiers professionnels. Parce qu'on le mérite. On va les mettre là, les pompiers. Surtout près de l'entrepôt. Je réfléchis au verger, on va optimiser un max. Là, c'est ok. Si j'ai pas de route ici, c'est compliqué. On a besoin. Et là, je n'ai pas de raccourci. C'est pas grave, ça. Il faut que le royaume mange. De toute façon, on n'a pas le choix. Et si on veut rigoler, on va se moquer du dragon. Est-ce qu'on a la place? On n'a même pas la place. Ah, ils ont un rayon de bonheur, mais incroyable. On va laisser faire. Le quartier agricole se fait, le quartier alimentaire se fait. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Le bonheur, c'est à peu près correct. Ah, mais non, mais ça pêche le bonheur, là, quand même. Ah, bah, on va virer ces porchers-là. On va les enlever. Parce qu'on en vire 3, on en a construit 4. Près du boucher, c'est bon. Et on va se faire quelques statues. Le seigneur dragon, évidemment, devant l'aqueduc. La reine Barbara, toujours à veiller sur le bon grain. Et on a le seigneur Lévi. On va bourrer le maximum de bonheur ici. On met tout le monde. Parce que on n'a que ça. Et il surveille le bien-être de la population. Et du coup, comme c'est inutile, on va le faire. On va faire un jardin. Et on a attaqué en plus. Encore les vikings. Ok, là c'est bon. On va faire une ouverture ici et on va voir où ils débarquent. Très agréable ce matin, un peu plus de micro-gestion. Comme on aime. Il n'y a pas que l'hydromel. Il y a les routes aussi. Voilà, beaucoup de jardins ici hein, quand même. Hein. Attends, on va reculer. C'est juste pour voir un peu. On va booster le bonheur aux gens dans ce coin-là. On aurait pu faire des joutes, mais il y a déjà à côté. Bonjour Malongo 50, salut à toi. C'est bientôt la fin de l'épisode, mais on part sur autre chose après normalement. Il y aura une pause café sous... Mais pour YouTube, on a encore quelques minutes et on a une attaque de drakkars de vikings. Et mon chat me dit que c'est bientôt la pause de spatiale pour eux parce qu'ils ont faim. Alors voilà ce qui nous attend, c'est super. 33 drakkars. L'IA a changé, c'était plus par deux côtés, ils n'y arrivent plus. Donc ils font un forcing de troupes, de Bobby, de méchants vikings et de pirates. Ça part dans tous les sens. Oh là là, c'est complet. Non mais c'est complet. Les gars, c'est complet. Avec deux catapultes. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ils arrivent. On n'a pas renforcé assez les murs ici. Ça me fait peur. Ah oui, c'est la cité agricole là. Ça va. Avec la cité portuaire. Ok, je vois où on est. On va laisser nos défenses. J'ai que 84 chômeurs. On va les laisser tranquilles. 97... Non mais 97 drakkars.
97 drakkars. Au secours. Oh là 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 là. Et ben vous savez quoi, on va se laisser là-dessus. Et on va voir la grosse invasion pour le prochain épisode. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le forcing? On monte au niveau Vintar, ça ne rigole pas et c'est vache! Allez YouTube, c'est la fin, on se dit à bientôt et pour Twitch, à tout de suite.